Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 60 de God of War Ragnarok. Évidemment, on était venu à bout de Odin et il y a maintenant le Ragnarok lui-même qui nous a attaqué et on a pu s'échapper. À ton ami au très grand loup et au pouvoir des Valkyries de transporter les valeureux, nous avons pu conduire les survivants ici. Désolé, il faut que je retrouve mon père. Je pense que nous sommes littéralement au tout dernier épisode. Je ne sais pas ce qui va se passer, évidemment. Mais c'est parti. Maman, arrête, je vais bien. Silence. Peut-être la dernière cinématique. Je suis si heureux que vous soyez en vie. Vous pouvez pas savoir, je suis désolé. Thor était... Il a fait... de son mieux, vous savez. J'aurais aimé pouvoir en faire plus. Rien ne pourra soulager votre peine. Mais j'espère que la mort d'Odin vous apportera quelque réconfort. Tu n'imagines même pas. Loki, c'était un honneur de me battre aux côtés d'un géant. Sache-le. Allez-vous rester à Midgard? Pour un temps. Ensuite, il y a une chose que je dois retrouver. J'aiderai Ildisvini à guider les autres Asgardiens jusqu'à Vanaheim, pour aider à la reconstruction. J'espère qu'ils pourront y prendre un nouveau départ. Et vous aussi. Oh, et toi, Trude. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne chance. À plus tard, Loki. Prends soin de toi. Ok, Chacal. Je suppose que, oui, voilà, il n'y a rien derrière. Les armes ont-elles été endommagées? Bon, c'est bizarre, on dirait vraiment les adieux à... au monde. Et là, je ne peux pas attaquer, je ne peux rien faire, vous l'aurez compris. Ok. Quoi? Ah, Huggins s'en est sorti, tant mieux pour lui. Ok, non, c'était Trude qu'on entendait. Très bien, on continue. Mais où je suis, là? Merde. Excusez-moi. Ah, on peut pas savoir. Ah, oh, et si vous pouviez apporter ce bois à la tente de Brana? Skjöldr? Oh, Loki! Tiens! Content de voir que tu m'as pas oublié malgré le coup à la tête. T'as bien pris un coup à la tête. Tout s'est passé tellement vite, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ah, je suis content de te voir. Oui, moi aussi. On dirait que tu as trouvé de quoi t'occuper. Oh, ça me fait plaisir d'aider les gens. On aura bientôt des couvertures pour tout le monde, et les loups de ton ami nous aident pour la chasse. On devrait pouvoir nourrir toutes les bouches. Sans blague. Sans blague. Ah, et merci pour tout. On serait même plus de ce monde sans toi et tes amis. Ouais, peut-être. Mais j'aurais aimé qu'on sauve plus de gens que ça. Loki, c'est déjà bien. Merci, Skjöldr. Prends soin de toi, d'accord? Eh, tu me connais? Ok. Est-ce que quelqu'un a vu d'autres couvertures bon. Quelque part? La neige pour peut-être, mais il va quand même... C'est bizarre, je sais pas où est le daron, les gars. Ah, le voilà. Un verre de plus pour le petit. Skål! Bravo! Skål! C'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'ici. Et grâce au sacrifice de Freyr. C'est vrai. On était justement en train d'échanger nos propres histoires sur Freyr. Bien, bien. Où en étais-je? Ah. Quand nous nous sommes rencontrés, je m'attendais à voir un guerrier. Un stratège. Un chef naturel. La légende qui précédait l'homme. Mais l'homme lui-même était... bien différent. Et pourtant, il m'a convaincu. Il était tellement chaleureux. Qu'il ait été si séduisant a probablement aidé. C'est vrai. Et il était incroyablement charmant. Ça suffit. Arrêtez. Vous allez encore me faire pleurer. Désolé. Je dois aller trouver mon père. Fais attention à toi. Ok. C'est bizarre parce qu'on voit pas les principaux... Ah, ça y est, Freya. Freya. C'était son choix. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Il nous a tous sauvés. Je ne l'oublierai jamais. La famille que je pensais avoir m'a été enlevée peu à peu. Mais je trouve le réconfort dans la famille que j'ai choisie.
Ta mère avait raison. Tu as fini par maîtriser cet arc. Tu es un formidable guerrier. Mais par-dessus tout, tu as un grand cœur. Et les épreuves que tu as traversées n'y ont rien changé. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu, Atreus. Merci. Merci pour tout. Il faut que je trouve mon père. Vas-y. Atreus ! Ah, Mimir ! Oh, tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Content de te voir aussi, Mimir. Écoute, je voulais te remercier. Oh, tu t'attendais à quoi de la part de l'homme le plus intelligent qui soit ? Tu n'es pas juste intelligent. Tu m'as écouté. Tu m'as guidé. Et, eh bien, tu es comme un deuxième père pour moi. Petit... Non. J'ai besoin que tu le saches. Je tiens énormément à toi. Je t'aime aussi, petit frère. À plus tard, Mimir. Il est bon de te voir ici, Atreus. Toi aussi, ils disent Vini. Ok. Putain, je sais et pas. Et on est bien ici, hein. Aucun bon. Ah, Hunger Boda. Aucun danger. Tu as été brave aujourd'hui, mon grand. Je suis fière de toi. On essaiera de trouver des petites gâteries. Allez, à moi. Qui sait, hein? Oui, on le connaît. Un jour, peut-être, j'arriverai à te surprendre. Oh, c'est déjà fait. Tu étais entre deux bonnes mains. Je me suis dit que ce serait mieux si j'écrivais la fin moi-même. Tu n'as rien raconté à ton père, n'est-ce pas ? À propos de quoi ? Enfin, vision de géant. Je l'ai déjà vue. J'ai compris. Je sais au fond de moi que c'est ce que je dois faire, mais... Mais je... Je ne sais pas comment le dire. Viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. Et toi aussi. Je ne veux pas m'immiscer. Tu es concerné. Je suis mort, j'ai une putain de tenue de Power Ranger. Atreus, je suis heureux que tu ailles bien. Oui, toi aussi, père. Alors, comment se termine l'histoire ? Avant le Ragnarok, tu avais promis de la terminer si je m'endormais. Lorsque la mort arriva, elle demanda au vieil homme pourquoi il l'avait appelée. En la voyant ainsi devant lui, celui-ci reconsidéra sa demande. Après quelques instants, il demanda à la mort de l'aider à remettre les bûches sur son dos pour qu'il puisse reprendre son chemin. Il n'était pas prêt à mourir. Il voulait continuer à vivre. Il y a beaucoup de fumée ici. Il semblerait qu'à la chute d'Asgard, des morceaux du royaume ont été projetés dans les autres royaumes. Il reste peut-être quelques Einherjar dans les parages, mais... Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amené ici. Alors pourquoi donc ?
La dernière fresque, les amis, je crois. Oh oui, la dernière fresque. Le dernier morceau de l'histoire. Fresque à Jotunheim. C'est elle qui l'a détruite. Elle voulait nous cacher notre destin. Elle nous a forcés à tracer notre propre voie. Elle s'est dressée contre son peuple. Notre peuple. Pour vous sauver. Elle ne s'ouvre pas toute. Je suis désolée. Père, je dois te parler de quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres géants ailleurs. Et il faut que je les trouve. Je crois savoir où chercher, mais... c'est ma responsabilité. Je dois faire ça tout seul. Je n'ai pas envie de le faire seul, mais... il le faut. Je ne saurais l'expliquer. Cela te fait-il peur? Oui. Alors, c'est pourquoi tu dois le faire. Comme tu me l'as appris. Oui. Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ton instinct. Qui croire? Qui sont nos amis? Fils, tu es prêt. Souviens-toi, notre promesse. Loki s'en va. Thank you.
Ah. Qu'as-tu vu là-dedans, mon frère ? Une voix. À laquelle je n'avais jamais songé. Et maintenant ? Il y a beaucoup à faire. À reconstruire. M'aiderez-vous tous les deux ? Oui. Nous œuvrerons ensemble. Ben voilà, je peux déjà jouer et bien écoutez, comme le premier God of War, c'est la fin. Beaucoup de choses à vous dire hein. On est là face à littéralement une masterclass évidemment du jeu vidéo. Ce jeu est exceptionnel. Quel bonheur. Alors déjà, c'est un grand symbole pour ma chaîne, étant donné qu'en 14 ans, God of War Ragnarok a battu le record de longévité en termes de let's play avec pile poil 60 épisodes au compteur. Le dernier ne dure qu'une vingtaine de minutes et non 30, mais je voulais qu'on arrive au chiffre 60, donc ça me fait extrêmement plaisir, même s'il y a quelques minutes de grignoter. Mais en tout cas... Quel bonheur, ce jeu était juste fou, voilà, ce jeu était juste exceptionnel, ce jeu est magnifique, ce jeu raconte une histoire incroyable, celle de Kratos, dieu de la guerre, et de Atreus, dorénavant. Ça laisse une fin entièrement ouverte, Atreus part de son côté, vous l'aurez compris évidemment, et Kratos, lui, part du sien en restant ici et en essayant de tout reconstruire. Est-ce que le prochain God of War, on suivra Atreus à la recherche des autres géants qui, pourquoi pas, rentrent dans d'autres mythologies telles que, par exemple, l'Égypte, etc., etc. Est-ce qu'on suivra Kratos? Est-ce qu'on suivra les deux? Et peut-être, par exemple, moi, je vois très bien un prochain God of War où on suit Atreus pendant 20 heures de jeu et les 4 dernières heures, c'est Kratos qui vient à son secours parce qu'il est vraiment mal en point et il vient tout baiser. Enfin, tout est littéralement possible et faisable, tout comme il est aussi fort faisable qu'il n'y ait jamais de suite à ce God of War et à God of War en termes général. Les amis, j'ai passé un incroyable moment. J'espère que vous aussi. 4K 60 FPS pendant 60 épisodes, ça reste du boulot, je peux vous le dire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé tout autant que moi suivre cette aventure folle. Pour tous ceux qui avaient la flemme de le faire, bah, je le fais pour vous. Et finalement, on a vécu 60 épisodes à deux, vous et moi.
ou à plusieurs évidemment sur un canapé à jouer à un jeu exceptionnel. Merci Santa Monica, hein, le studio derrière évidemment God of War. Merci Sony aussi pour cette masterclass. Quel bonheur, quel bonheur. Nous devrions sans doute parler à Anya. Nous n'avons pas besoin d'en parler, mais Odin l'a choisi, elle, comme nouvelle reine des Valkyries. Ah, d'accord. Donc, quel bonheur. Voilà. N'oubliez pas, les amis, c'est très important, le j'aime et le commentaire. Évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. J'espère que cette aventure vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Bientôt aussi, la fin de Resident Evil 4 et une nouvelle aventure qui devrait arriver dans quelques jours. À bientôt, tout le monde. Bye bye. Oh, c'était dingue. C'était dingue de chez dingue.